Salut à tous les amis, c'est Funnies Gaming, comment ça va? Je vous retrouve sur Hearthstone pour le nouveau bras de fer, putain, l'intro rapide. Et donc j'ai lu un peu ce que c'était, et apparemment on choisit un deck, enfin une classe, et on obtient des cartes aléatoires à chaque tour. Et évidemment le coût est aléatoire aussi des cartes. Donc ce que j'ai compris, voilà, c'est ça. On va voir ce que c'est, je pense que c'est, enfin, ça va être fun, mais wow, voilà quoi, il y a mieux quoi. Donc bon, on va voir. On va voir ce que c'est. J'ai pris mage parce que mage c'est celui que je gère le plus. Alors, on tombe contre mage. Non, ébéniste. Epic Coco 06-2, voilà. Vous l'avez cherché. Alors, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on garde? Le souffle neige. Sans sa vie, ça sa vie. Les prochains. Non. non. Allez, un secret, s'il te plaît. Oh, Tolidas. Bonjour. Bienvenue. Bon. Un Murloc. Tac. Alors, we have to play what? Parce que en fait, c'est quoi ça? Pourquoi ça me donne qu'un? Ah ok, j'ai compris. Parce que en fait, c'est le coup. Oh là là, oh là là, c'est le coup en fait des cartes aléatoires. Là, en gros, j'ai pour 4 points de mana Antonidas. Ouais. Donc Oh putain! Ah! Oh putain, what the fuck? What the hell? A boule de feu! Ok. Ah, on fait ça, allez hop. Allez, 3 boules de feu! Alors, il va falloir qu'il gère mon Antonidas. Parce que là, en gros, j'ai... Ouais, voilà. J'ai un certain nombre de points de dégâts. J'ai la flemme de compter. Ah, mais c'est marrant. Ah non, pas ça. 3 points de mode. Non. Oh, c'est pas trop cheaté, ça, par contre. Un dieu. Alors... Bon, ça va être quand même super amusant. Oh! Oh putain, ça va faire pop la 2-2 quoi. Enfin, une 2 points de mana, c'est la merde. Ah, c'est bien ça. C'est très très bien. J'ai même pas vu c'est quoi son passif. Oh, ok, c'est une démon, laisse tomber, ça me sert à rien. Ensuite. Faut absolument silencer cette merde. Ouais. Go ça. Go ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez. A plus. Allez, le mec en face, oui! Ok, je pense avoir gagné. Je pense que j'ai gagné. Eh, mais c'est super fun! C'est super fun! Non, attendez, j'ai gagné. 3, 4. 3, 4 points de mana, 4 points de mana. Ah, c'est bon! C'est win! It's winned! Parce que je fais 12. À part si ce heal. Mais quoi qu'il se passe? M'en fous, attends. 6, 7. Merde! Attendez. Faut qu'il... En gros, là, il faut qu'il face. Face. Oh oui, j'ai gagné. Bien joué. Bien joué, coéquipier ou adversaire. C'est la même chose. Ouais, j'ai cru que je pouvais pas jouer. Allez, salut. J'aurais plutôt avec ça, ça aurait été plus joli. Mais bon, allez. Hein. Bon, une petite victoire tranquillou. Du mage. Le paquet qu'on va ouvrir tout de suite. Alors, allez, retour.
Ouvrir le paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On spam, hop, 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 voilà. Ok, c'est de la merde. Salut. Hop. J'ai même pas regardé ce qu'on avait, on va voir. Est-ce que j'ai de quoi des crafts? Oui, bien sûr. Une. On va peut-être regarder finalement ce que j'ai eu. Alors, on a eu un débloté de sang. Ah, ça va, c'est bien ça, débloté de sang. C'est pas mal, c'est plus utile. Voleur. Ouais, j'en avais déjà une. Deux. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, c'est super bien ça. On a eu quoi comme bête neutre? Ah, ça c'est bien aussi. Putain, j'ai eu des bonnes cartes en fait. Oh putain, j'ai eu des bonnes cartes. Et. C'est la merde. C'est la grosse merde. Vous êtes d'accord, c'est la grosse merde ça. Alors, retour, bras de fer, on en fait un deuxième pour le fun. C'est parti, cette fois on va jouer. Chasseur. Allez, c'est parti, on fait deux games, puis on va arrêter la vidéo ici. Hein, c'est pas. Hop. Je vais juste me mettre en. En quitter Skype. Voilà. Alors. Vendredi, c'est les vacances, ça c'est cool ça. On est tous contents, hein, n'est-ce pas? Ça c'est bien. Alors, mage contre mage. Non, druide, putain. T'as eu des bonnes cartes quand même, que des bonnes pioches qu'on a eu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déclenche les râles d'agonie de vos serviteurs. Oh mon dieu! Oh, serviteurs. Ah, ça c'est bien, ça j'ai gagné. Ça je veux dire en fait. Est-ce que ça serait un deck mecha? Oh le roi crush! Putain ça m'est bien ça! Bonjour! Ah mon dieu, mais c'est quoi ça? Mon dieu! Putain mais c'est quoi? Oh non mais c'est n'importe quoi ce jeu! C'est génial! C'est génial, je vous le dis moi! C'est amazing! Ah putain, elle est revenue à 8 du coup. Ah, ça fait chier ça. Ah, on la met. Hop. Fin de tour. Je sais, c'est pas du tout worth ce que je viens de faire. Je le sais. Je le sais. 8. Elle est combien de mana? 9? Parce que si elle est en verte, c'est-à-dire que. Ouais. Combien? Ça peut être très bien de plus parce que c'est aléatoire. Non? Vous croyez? Moi, je sais pas. Ah, c'est 3 serpents, j'ai cru voir 2. Ouais. Vas-y. Ouais. Il en a une deuxième. La pièce. Une légendaire. Non. Oui. Détruis ma carte. Ça invoque 3 serpents. Bien joué. Alors t'es deg? Attends le roi crush! Allez! Non! Putain, fais chier! Alors. Cri de guerre, invocation. Non! Alors. Ah putain, ça fait chier. J'ai envie de la jouer. Allez, go! J'ai toujours les meilleures places. Putain. Dégage. Alors, on fait quoi là? On fait quoi? Est-ce qu'il y a quoi là ici déjà? Ouais, vas-y! Un tour! Alors. Que va-t-il se passer? Tour suivant, roi crush s'il vous plaît. Parce que ça serait sympa. Ça serait du beau gameplay. Alors. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? J'ai plein de bricoles sous le capot. Ouais. Il a pas une super sortie. Hein. Allez, dégage! Ah, je suis content. Ouais. Ah, je suis content. Oui. Sauf que ça sert à rien parce que. Vu que c'est la soirée. Merci bien, gros. Oh putain, ça me saoule. C'est quoi ça? A chaque fois que vous ciblez un serviteur avec un sort, vous êtes en mode niggas. Elle va serrer la tour. Oh, c'est pas mal ça! Sauf que j'avais joué ça quand même. On joue ça. Paf, c'est quoi son passif à lui? Ça dégage. Allez, tour suivant, roi crush, j'en ai marre. Allez! Je veux roi crush. Putain, c'est trop bien comme carte quand même. Putain.
Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça génial. Oui, il choisit de piocher deux cartes. Logique, hein. Oui. Ensuite. Puis elle tombe zéro de mana. Ah ah. Ouais, je pense qu'au prochain tour je peux la jouer là. Allez, t'as zéro pour le mana là, à part si t'as une carte. Oh non, sérieux, c'est pas possible. C'est pas possible, mec là. Putain, mais non. Oh là là, bref. Alors. Oui. C'est classe. Rien à dire. C'est très très classe. Allez, vas-y. Joue. Bon, prochain tour légendaire, hein. J'espère. Parce que là, c'est comment ça va me casser les couilles, hein. Non, je rigole, bien sûr. C'est qu'un jeu. Où mon téléphone? Là-bas. Très bien. Ah, je lance cette carte, elle est géniale. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Invoque 3, 4 ou 5 numéros le cas 1. Ha! Énorme! Sauf que je jouais ça. Alors, it's time to play. Elle a eu à un point de mana. Oh, vain dieu. Putain, le bâtard. Ah, ça, c'est très chiant, ça. La meilleure carte à poser sur... Oh, oui. Ouais, ça c'est beau ça. Bien joué. Merci. Alors, chaque fois que vous lancez un sort à un cristal, ajoute un méca aléatoire dans votre main. Attends, on va se calmer. D'abord, I go this. And after, I go this. And this. 3 murlocs. Ah, c'est des murlocs 1-1. Dac. Ensuite, on jouera ça. Donc là, logiquement. Il devrait détruire mon roi croche avec un sort à la tour. Non. Oui, c'est pas quoi faire. Il va FF. Non. Oh, ça serait pas drôle. Je me demande. Alors, on casse des fleurs, bien sûr. Vous avez vu, je fais de la musique avec le truc. Enfin, ouais, voilà, c'est nul. Bref. Alors. Mmh. Et du coup on en a plus. Ça tout ça coûtait que 3, ok. Ouais. Quand on attend personne. Ok. Et ensuite. Il en détruit un. Du coup je vais pas pouvoir clean tous ces murlocs. Ah ça me fait chier qu'il a enlevé mon roi crush. Tisseuse. J'ai envie là. Bref. Non, on va pas faire ça quand même. On va faire ça. Fin de tour. Alors, cette game est intéressante, on va dire. Par contre, c'est chiant qu'il ait viré mon roi crush. Enfoiré. Oh, le petit enfoiré. Alors, que va-t-il faire ensuite? Il est 10h09. Allez! Joue! Mais qu'est-ce qu'il prend? Mais qu'est-ce qu'il prend? Comment il s'appelle? Totoro Sensei! Espagnol. Est-ce que ça. Ah oui, ça enclenche une seule fois, pas deux fois par hasard, par exemple. Faut qu'elle soit. Ah, une. Oh, oh, c'est chiant ça. C'est chiant ça. Oh, c'est très chiant ça. Alors. C'est passionnant. Allez, donne-moi un roi crush là, j'en sais rien. On aura des bananes. Fin de tour, il va me défoncer ma race. C'est la première fois que j'ai autant de légendaires, quoi.
Alors. Là, je suis pas bien, je vous le dis. Je ne suis pas bien du tout. Le mec a 6 mains dans sa carte. Oh putain. Oh là là. Non, 6 cartes dans sa main. Oui, sachant qu'il a 2 bananes. Oui, mais quand même. Ouais. Ah, c'est chiant ça. C'est très chiant. C'est très très chiant. Bonjour. Bonne journée. Alors. Bref, on va arrêter de faire des bruits de... d'animaux. Oh, le moins 2 qui m'aime bien. Bon. Ça peut pas attaquer, ça, il me semble. Si, ça peut attaquer, ce truc-là. Je confonds avec une autre carte. Plus 5. Non, il pioche. Ah, ça coûtait que 1. Ah, ce bâtard. Une 7 points mana, une 7 points de mana qui coûte que 1. Ça, c'est le truc le plus worst du monde, ça. Ah, c'est un peu comme mon roi crush ou comme cette carte-là, quoi. Une 9 points de mana qui tombe à 6, je crois. Il me semble. Combien je l'ai coûté? 6, ouais. Les grands espaces. C'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Oh putain. Ah, ça c'est génial ça. Alors là, la meilleure pioche. La meilleure pioche, j'ai envie de vous dire. Alors. Nous bon, il clean ça. Logique. Tac. Prends 8 points de vie. Oh le chiculotte quoi. 1 point de mana. Le roi crush qui vient tout de suite derrière. C'est incroyable ce qui se passe parmi nous. Hop. Et on clean ça, on fait ça propre. On fait ça propre les amis. La carte rêve qui vient dans notre main qui est un Drake Emerald, ça c'est super. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Mais c'est super fort comme carte ça. Comment on l'a? Isera. On peut la craft ou pas? Oui. Le FF. On va voir si on peut crafter Isera ou pas. 2 victoires. Le niveau 27. Lady Gold. Alors, viens voir. Isera. On va voir si on peut la craft ou si c'est dans une. Alors. Je sais plus si ça s'écrit. Oui. Et donc c'est dans les paquets classiques. D'accord. J'ai une question à vous poser. Ouais. Répondez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, une fois dans la boutique, est-ce que c'est plus worth it? Non, on va enlever ce paquet là. Parce que là, je vais bientôt acheter 15 paquets. Pour 17,99€. 15 paquets classiques ou Gnome. J'hésite entre les deux en fait. Parce que dans les classiques, il y a quand même des bonnes légendaires. Que dans les gnomes que j'aime moins en fait. Donc voilà. C'est pour ça que je vous demande. Hein, voilà. Donc, et ben la vidéo est terminée. Sur ce, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je pense que c'est déjà fait. Ah non, c'est pas fait. Bah fais-le tout de suite alors. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou vert. Je sais plus quelle couleur c'est. Bleu, je crois. Oui, c'est bleu. Et bah sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Funnies Gaming. Salut. J'espère que le bras de fer vous a plu.